Jeudi 27 juin 2024, jamais à l'abri. Eh ben oui, on n'est jamais à l'abri de réussir une première prise pas trop mal, et puis finalement, eh ben après, on n'y arrive plus. Et là, bon, celle-là, je pense qu'elle est bonne. Même si c'est très difficile de jouer bien ce morceau à cause des notes qui se chevauchent aux deux mains et que j'arrive pas vraiment à l'avoir exactement parfait tout le temps. C'est les incertitudes et les... Voilà, on peut pas tout contrôler exactement. Même les touches elles-mêmes réagissent pas toujours de la même façon, on va dire. Donc, je vais mettre 9 à celle-là. On va dire que dans son genre, c'est assez réussi. Les enchaînements de tonalités comme ça qui sont proches les unes des autres créent une atmosphère un peu oppressante, mais qui est bien par rapport au titre, on attend ça. Peut-être un petit truc qui manque, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'envolée. On reste justement enfermé dans ce schéma et on se sent un petit peu à l'étroit, je trouve. Alors, en même temps, c'est voulu et en même temps, peut-être ça aurait été bien de faire un petit tour à l'extérieur à un moment. Mais bon, je vais rester à 9 quand même parce que j'aime bien. Mais c'est peut-être beaucoup. Bon, tant pis. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais en tous les cas, si c'est le cas, le pari était assez risqué. Ces deux voix qui parlent entre elles, l'une harmonieuse, l'autre dissonante, ça aurait pu être une véritable cacophonie, et au contraire, c'est très réussi. Le mélange est agréable à écouter, alors je vais mettre 10.